C'est étonnant, non? Ici Pierre Desproges qui vous parle en direct de Monaco où se déroule actuellement le 225e festival annuel du film pornographique sous le haut patronage, il n'y a pas de patronage, c'est trop porno. Le film que j'ai vu pour vous hier soir au Familial Ciné de Monaco s'appelle Oh oui, oh là là, c'est bon encore oh là là. Étonnons-nous tout d'abord une fois de plus de l'indigence des traducteurs qui baptisent Oh oui, oh là là, c'est bon encore oh là là, une œuvre dont le titre original est Oh yes, oh là là, it's good once again, oh là là. Mais ne faisons pas la fine bouche, à ce détail près, Oh oui, oh là là, c'est bon encore, oh là là, est une œuvre attachante à bien des égards d'Orsay. Bien des égards, pardon. D'Orsay déjà, on peut parler de chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà que ça pétarade. C'est une ville très mouvementée, la principauté est en guerre, on ne sait pas avec qui. L'histoire, bouleversante dans sa simplicité, éclaire sobrement le drame humain de 11 sténodactylographes, magistralement interprété par les majorettes de Monaco, et de 14 représentants de commerce vivant en communauté dans un lit 240 dans le plus complet dénuement. Un matin, on sonne à la porte, c'est le facteur. Plus précisément, ce sont les facteurs, puisqu'ils sont 9, magistralement interprétés par les compagnons de la chanson. Par la suite, voilà qu'on sonne à la porte, n'est-ce pas? C'est une enquêtrice de l'IFOP. Ou plus précisément, ce sont les enquêtrices de l'IFOP, puisqu'elles sont 19, magistralement interprété par les grandes sœurs des petits rats de l'opéra de Monaco. Usant d'un style elliptique qu'il maîtrise, à merveille depuis Glisson Glisson, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi osé. L'auteur élude volontairement une scène entière de l'action, la seule qui ne se passe pas dans le lit 240. Alors pourquoi? Alors, écrit l'auteur dans Le Monde d'hier, je cite, j'ai voulu exprimer ainsi l'incohérence des rapports humains en milieu libéral. Si je réussis, je pense avoir contribué humblement au rapprochement homme-femme. Si j'échoue, je m'en fous, je ne suis pas au pourcentage sur recette. Voilà, c'est un film, je vous répète, qui est souvent très dur, quelquefois très mou, mais jamais vulgaire. Et c'est au cinéma Familial Ciné de Monaco. Ici Pierre Desproges, à vous les studios. C'est étonnant, non ?